Bon vlogtop jour 8. Il est présentement midi 20, puis je suis en train de me faire une toast parce que j'ai pas fait de dîner. Là, Cléo a mangé un œuf. En fait, Kouma et Cléo mangent un œuf parce qu'elle donne un morceau sur deux. Puis elle donne genre dans sa bouche. Là, Raph, t'es là à quel point c'est comme pas correct. J'étais genre, mais regarde, là, il lèche la main si tu veux qu'on fasse. Je peux pas croire, c'est le premier chien qui lèche la main d'un bébé. Jugez-moi, je suis sûre qu'il y en a d'autres que c'est loin. En tout cas. Fait que là, il est midi 20, puis il y a 20. Dans le fond, dans 25 minutes, on part pour aller chercher ma mère. Puis l'après-midi, on s'en va faire un tour chez mes grands-parents. Dans le fond, ma mère, on va faire une petite tâche chez eux, puis nous, ben, on va chiller. Moi, j'amène comme le passe-temps qui est Cléo. Ça donne que c'est moi qui ai accouché ce passe-temps-là. Et voilà. Là, je vais manger ma toast. Ensuite, on va décoller. Là, j'ai l'air de ça, mais en soir, je vais me préparer un peu plus parce que je vais au pôle. J'aurais le goût d'avoir une face mais. Puis là, je l'ai. J'ouvrirai pas une banane pour moi, mais là, je vais mettre des morceaux de banane sur ma toast au Nutella. J'ouvrirai pas une banane pour moi, ça sonne tellement, je me fais passer en 18e, mais c'est pas tant tout ça. C'est juste que j'aurais été trop large de m'ouvrir une banane, mais là, tout, je m'en prends. C'était tout qu'un matin qui a commencé, soyez-vous bien, à 3h20. 3h40, excusez, je suis tellement tout, ça a commencé à 3h40. Cléo se réveille à 3h40, elle pleure. Puis là, on avait switché nuit avec Raph parce qu'il y avait une grosse job aujourd'hui à aller faire, pas à job normal, là, fallait comme qu'il y a quelque part. Puis, je lui ai dit, gars, je vais faire ta nuit, ça me dérange pas. Fait que je voulais pas le réveiller parce qu'il se levait à 5h45. Là, je voulais pas que, tu sais, il ait pas dormi. Fait que là, il est 3h40, il est 4h40, il est 5h, Cléo est genre quand même wake up. Moi, je suis pas wake up en tout, là. Fait que là, finalement, puis je sais que je pourrais peut-être la mettre dans son lit et la laisser pleurer, mais je veux pas faire cette méthode-là. Peut-être que je vais finir par le faire, mais là, pour l'instant, la méthode qu'on fait, ça marche pas trop, mais c'est ça qu'on fait. Bon, ce qu'on fasse, c'est ça, c'est ça. Donc là, finalement, un petit peu avant 5 heures, je me dis là, je vais l'amener dans le lit avec moi. Au moins, ça se rendort dans mes bras, même si elle se réveille dans 45 minutes quand Raph va se lever, ça va être déjà ça de gagner, parce que je le voyais aller, là, que ça allait pas aller, là. Ça allait pas remarcher. Finalement, je fais ça. Elle se rendort pas, arrête pas de pleurer. Je suis comme là, je vais la ramener dans sa chambre parce que ça dérange. Tu sais, Raph, il me l'aurait jamais dit, mais genre, je me disais, ça le dérange. Donc, je la ramène dans sa chambre pour que finalement, elle commence à s'endormir dans mes bras à 5h40. Bon. Mais à chaque fois, je la dépose. Là, c'est beaucoup d'informations, mais je vous le donne. OK? Skippez-moi, je m'en fous. Bon. Fait qu'à 5h45, finalement, ben là, Raph s'est levée, puis bon, elle s'est jamais accouchée. Quand il est parti à 6h15, je me dis, je vais aller dans le lit avec un gros biberon de lait, c'est sûr qu'elle caille. Non, non, elle n'a pas caillé. Puis moi, je lui ai mis, là, jugez-moi sur les écrans. Là. OK, là, Cléo, elle va avoir 14 mois. Puis oui, des fois, j'ai mis une petite émission pour ma santé mentale. J'ai mis Choupi parce que je me suis dit, si je peux au moins un peu, genre, partir 2 secondes, genre, ça va me faire du bien. Là. Fait qu'elle écoutait Choupi dans mes bras de même, puis ça l'a toffé quand même jusqu'à 7h15. Fait que jugez-moi, m'en fous. Ça m'a fait du bien. Et voilà. Donc là, on est là. On a réussi par faire une petite sieste d'une heure tantôt. Et une chance que j'ai pas mis de cadran, mais une chance, je me suis réveillée parce que à 11h, genre 50, j'ouvre les yeux, je suis genre, ah! Parce que je pars à 12h45, tu sais. Bon, fait que l'information, c'est terminé. Je m'en vais. Et voilà notre souper. Fait que moi, c'est une poutine de chez Bébé, une moyenne. Je vais garder le reste pour après mon pôle ou demain, là. Deux sauces mélangées là-dedans, ça va être délicieux. Si vous n'êtes pas au Saguenay, là, je pense que c'est pas mal exclusif au Saguenay d'avoir de la sauce barbecue ou hot chicken. Là. Mais les deux, c'est ça la vraie réponse. Fait que, et voilà. Souper. Il est 6h35, fait que je suis venue mettre mon kit de sport. Ah, je m'en vais pas, j'ai tellement hâte. C'est vraiment mon moment de la semaine. C'est juste mon deuxième, mais je me sens genre... Oh. J'ai tellement hâte qu'on fasse des pauses dans les airs. Sûrement que ça n'arrive pas pour le 1, mais genre, je suis vraiment excitée. Puis c'est vraiment comme... Je me vide la tête, puis genre, j'attends. Fait que là, je mets ça. Je l'aime tellement, là, le fit est incroyable. Tu sais, je vous montrerai pas les leggings, tout ce qu'il faut parce qu'ils sont vraiment ras le cul, mais le haut, là, sérieux, je trouve ça vraiment flatteur comme coupe, moi, une coupe carrée de même. Ça m'avait coûté, je vous rappelle, là, genre 35$ sans rabais, là, ça vaut vraiment la peine. Fait que voilà, donc je remets mon linge par-dessus et je pars de pas long. De retour de mon cours. Hey, sérieusement, je ne vois pas le temps passer au pôle. Même la prof, elle dit, hey, genre, hey, c'est tellement pas long, une heure, puis je prendrais minimum 2 heures. Genre, je ne vois pas le temps. Je vous le dis, j'allais au Zumba, là, j'étais comme, je vais décéder. J'en regardais le temps. Là, il n'y a pas d'horloge, premièrement, mais je ne le regarderai jamais. Je le regarderai dans le sens, je me dirais, oh non, dis-moi pas qu'il reste 5-10 minutes. J'aime tellement ça.
Et là, ça va vite, genre, tu sais, on apprend déjà des. Il y a déjà, j'ai déjà appris quelque chose que mes pieds ont touché, ont quitté le sol, les deux en même temps. M'a trouvé impressionnant. Mais là, ce que j'ai réalisé, parce qu'elle nous dit, je vous invite à vous filmer, tu sais, puis pas pour le mettre nécessairement pour le montrer, mais genre, parce que moi, je vois les filles autour de moi faire leur figure. Ils ont l'air bonnes. Puis là, moi, je la fais. Sûrement que c'est correct, mais moi, je me vois pas. Genre, quand je reviens dans le miroir, j'ai fini ma figure. Fait que j'ai l'impression que je suis poche. Donc là, je vais peut-être me filmer dans les prochains cours, mais là, personne ne le fait, fait que je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise, mais j'aimerais ça me voir faire, tu sais, savoir si je suis comme dégueulasse ou pas. Et là, je voulais vous montrer parce qu'on a commandé avant-hier. Je vous avais parlé d'une gate pour le foyer au bois. Puis on était supposé recevoir comme dans une semaine et demie, puis elle est arrivée. On a commandé un 8 morceaux, je vais vous montrer. 8 morceaux, ça sonne vraiment comme si j'ai commandé du PFK. Fait que c'est ça que ça donne. Là, c'est sûr, c'est pas aménagé. Puis on a réalisé qu'on a même pas besoin de la fixer au mur parce que c'est tellement gros que Cléo, elle peut pas le knocker. Tu sais, quand elle va être plus vieille et qu'elle va essayer de grimper, je dis pas, là, mais pour l'instant. T'sais, ici, on a replié, fait qu'on a comme deux morceaux de trop, mais en même temps, c'était 20$ de plus, puis 6 morceaux seraient serrés. Genre, si ça, ça serait le bout, ça serait serré un peu. J'haïs pas ça, pour vrai, c'est pas laid. T'as vu de quoi de plus laid dans ta vie, là? C'est pas si pire pour, t'sais, protéger mon enfant, puis il y a une gate, fait qu'on va chauffer le poêle, on n'a pas besoin de l'enlever, on fait juste rentrer, je trouve ça merveilleux. Là, en passant, j'ai l'air d'une choqueuse parce que, à soir, je vous montre pas 10 objets. Que je désencombre, je désencombre pas à soir. Parce que là, j'étais partie toute l'après-midi, on est arrivé pour souper, j'étais pressée, puis là, j'arrive de faire du pot, il faut que je me lave et je m'en vais colorier. Genre, c'est ça qui m'obsède. Fait que, c'est ça. Je veux pas perdre du temps à désencombrer, mais je vais désencombrer 15 demain, puis 15 l'autre jour d'après, puis ça va revenir au même. Et là, je vais vous dire, trop excitant, niaiseux. Hier, je suis sur Instagram. En passant, si vous me suivez pas sur Instagram, puis ça vous tente, c'est anne.sophie.simard. T'as rarement vu un nom facile de même, il s'écrit comme tu penses. Avec un E à Anne, par exemple, insultez-moi pas. Bon. Et là, je fais une story que je mets un de mes dessins. Puis il y a du monde qui me disent, oh my god, t'sais, il parle de mon dessin. Et là, j'ai mis le lien de mes crayons que j'utilise et le lien du cahier. Et là, il y a plein de monde qui me disait, je l'ai commandé, puis j'étais comme, hey, on se part un club de lecture, mais de coloriage. On se part un club de coloriage. Et là, il y a plein de monde qui était comme, oh my god, oui, on le part. Tu sais, plein de monde étant 8 personnes. Tu comprends, c'est assez pour moi, là. Donc, c'est ça. Mais j'ai parti un groupe Facebook. Le lien est dans ma story Instagram, mais sinon, cherchez Simard Color. S-I-M-O-R Color, C-O-L-O-R-E, si ça vous intéresse de venir, vous êtes vraiment pas obligé. Mais là, il y a plein de monde. On est déjà, au moment où on se parle, 197, je l'ai créé un matin. Fait que je suis vraiment fière. C'est tellement le genre d'influence que je veux avoir, d'avoir un groupe de coloriage. J'ai tellement de mamie. J'adore! Donc là, on va se montrer nos coloriages et c'est ça que j'ai dit. On se montre nos coloriages, on se montre les équipements qu'on a trouvés, on peut se montrer des trucs, on peut s'inspirer, mais tout dans le respect. Puis s'il y a des commentaires de marde, je les supprime. Le groupe est à mon nom, chose, fait que je fais ce que je veux. Ça. Donc là, je suis vraiment excitée. Je m'en vais colorier. Puis j'ai dit que j'allais faire un petit tutoriel en tout cas de couleur. Je sais pas si je vais le faire à soir, mais bref. Ça s'en vient, le tutoriel sur le groupe. Fait que si ça vous intéresse, joignez-vous à nous, aux 197 personnes. Je trouve ça innocent. C'est innocent, voyons. Comment ça qu'on est 200? Mais j'adore ça. Je suis vraiment animée. Puis genre, je montrais mes dessins déjà sur des pages américaines, mais là, on va se les montrer ensemble, cette malade. Là, la fille, elle parle comme si elle commence sa vie. Ça fait deux dessins que je fais, puis je m'apprends pour un autre. Voilà. Donc, on va se quitter là-dessus. Je vais aller me laver les cheveux. Demain, une autre belle journée. On voit nos amis dans l'après-midi. Ça va être trippant. Donc, on se laisse, on va colorier. Bye!